Bonjour à tous, je suis Razika, vous êtes bien sur ma chaîne Mes Secrets de Nana. Nous sommes jeudi 17 novembre 2022, c'est parti pour une vidéo à action. Je reviens sur cet ensemble de tables en métal et en bois, avec le dessus effet marbre, noir et blanc. Je reviens dessus parce que vous avez été beaucoup à me dire que vous avez beaucoup aimé ce petit meuble. Je vous ai fait une vidéo, je crois, il y a 2 jours, où j'ai mis tout le petit mobilier que vous pouvez trouver chez Action. Et j'ai eu pas mal de retours positifs sur ces petites tables-là. Donc, elles existent comme ça, en 33,5 par 37,5 pour la plus grande. Et en fait, elles sont aussi comme ça, mais c'est pas les mêmes tailles. Et celles-ci sont toutes en métal. Celles-ci, il y a le dessus en bois. Celles-ci, elles sont toutes en métal. Elles sont à 19,95 ensemble. Tiens, on retrouve la tirelire licorne. Celle-ci, elle est très difficile à trouver. Les tirelires sont à 4,49, donc il y a la licorne, donc avec le petit bouchon, il y a le dinosaure, le astronaute cosmonaute et la vache. Le retour de ces napperons. Ils sont à 6. Non, c'est pas 6,95. Je regarderai le prix après. Donc on a 3 couleurs. On a ce noir, on a le rose. Alors, je me souviens plus s'ils ont sorti de cette gamme-là les blancs ou pas. Ils font 34 cm de diamètre. Oui, c'est très sympa les compositions qu'on peut trouver. Alors, c'est pas vendu tel quel. Hein, donc, il y a les pots qui sont tout seuls à 1,99. Il y a plusieurs couleurs et puis quelqu'un a dû mettre une petite plante à l'intérieur. Vraiment, pensez à chaque fois au cache-pot hein, pour mettre... En valeur vos fleurs artificielles. On a ces petits pots aussi qui étaient sympas, colorés. Là, du coup, on n'a pas besoin de cache-pot. 1,99. Alors souvent, quand je montre des plantes artificielles, j'ai des commentaires qui me disent « Non, mais les plantes artificielles, bon, c'est pas terrible, vaut mieux les vraies plantes, tout ça. » Je comprends ce genre de personnes, hein, je vous comprends, hein, c'est vrai qu'une vraie plante, il n'y a pas mieux. Mais c'est vrai que bah, des fois on a envie peut-être d'une petite plante verte, une petite touche de plante verte, mais qu'on peut forcément pas s'en occuper. Si c'est pour mettre par exemple dans des pièces comme par exemple, les toilettes, en hauteur et tout ça, bah, c'est peut-être mieux d'opter pour les plantes artificielles. Vaut mieux une plante artificielle qui va durer qu'une plante, prendre une plante verte et puis on sait qu'on peut pas s'en occuper et on va la laisser mourir. Après c'est bien aussi, je vois, je sais pas, dans les commerces et etc. Beaucoup de plantes vertes, mais il y en a, elles sont tellement bien faites que de loin on dirait vraiment une vraie. Et on a le retour de ces palmiers. Ils sont à 5,95, pareil, hein, mettez un cache-pot parce que comme ça c'est vrai que c'est pas terrible, hein, mais mis en valeur dans un cache-pot tout de suite ça change le visuel. Allez, hop, avec un cache-pot noir comme ça tout de suite c'est pas la même chose. Après, je me dis, parce que des fois, il y a des cache-pots qui vont laisser un vide comme ça. Je me demande si ça peut être... C'est pas sympa de le remonter. Vous mettez un petit bloc en mousse ou des vieux journaux en dessous. Et puis dessus, vous pouvez mettre des petites pierres. Des pierres, du sable. Vous pouvez remettre des petites pierres comme ça pour décorer. Le sable déco, c'est 99 centimes le kilo. Hein. Tiens, ils ont remis ces grandes plaques gris à 24,95. Elles font, je crois, 70 cm. 70, ouais, par 33. 24,95. C'est pas les plus grandes, parce que des fois, ils en mettent encore plus grandes. Elles font, je crois, 1 mètre. Et celles-ci font 70. Alors, dessus, on peut faire des grillades. Mais on peut faire pas mal d'autres préparations. On peut faire des pancakes, on peut faire des crêpes. Alors, on prend un petit cercle, hein, ou des petites crêpes. Les semaines, on peut vraiment faire pas mal de choses avec ces plaques, en dehors des grillades. Les plateaux ronds en bambou, ils sont à 4,95. Oh, enceinte, elle est sympa, 12,95. Transparente, Bluetooth, et elle fait de la couleur. 12,95, c'est une 12 watts. 10 watts, pourquoi je dis 12? Elle est à 12 euros et elle fait 10 watts. Light. Après, on a des plus petites comme ça qu'on peut en plus transporter avec la poignée. Alors, même s'il n'y avait pas la poignée, on peut la transporter puisqu'elle est toute légère. Au niveau des enceintes, ils ont vraiment pas mal de choix. Hein. Elle est toute petite comme ça. Et il y a aussi une grande barre de son qui est en promo en ce moment.
Un nouveau petit set peinture acrylique avec les 12 tubes. Enfin, les 12, pourquoi je dis 12? Il n'y a peut-être pas 12, si 12. pour mettre la peinture, les pinceaux, 4,95€, il y a 20 pièces dans une jolie boîte comme ça en bois. Les carnets de croquis papier noir, donc c'est un format A5, donc pour faire de la peinture à l'huile, le charbon. Alors il y a écrit plus enveloppe, c'est ça qui m'a intrigué, donc 2,49€, je vais l'ouvrir. Effectivement, il y a une enveloppe. Et celui-là aussi. Après, c'est juste le petit dessin qui change. Les sacs de rangement sous vide. Si vous avez envie de ranger, tiens, pourquoi pas tout vos... La couette, non, je pense que c'est pas le moment de la ranger. Mais pourquoi pas tous vos vêtements d'été. À moins que vous l'ayez déjà fait, mais comme on a eu chaud tard. Donc je pense qu'on est certains sont encore en retard dans le rangement de l'été. Et je pense que là, on va ressortir les couettes plutôt. 6,95€. Alors, c'est je vais regarder si c'est tout le sac. Ouais, c'est le sac, en fait. Parce qu'avant, on les avait en bleu, mais elles étaient carrées. Et donc, ceux-là font 1,05m par 44 par 100. Ouais, j'étais en train de regarder tout à l'heure s'il y avait le sac ou pas. Franchement, je vous le conseille. Moi, j'ai acheté les anciens modèles. Je sais pas si les anciens modèles, vous les remettez aussi. Ils étaient bleus. Et ce qui est bien dans ça, c'est qu'en fait, contrairement au sac comme ça, là après on peut les empiler, et puis je trouve que c'est toujours plus joli quand on met ça dans son débarras ou dans son armoire. Moi je les utilise beaucoup pour ranger voilà, les vêtements été, hiver, ou comme en fait j'échange beaucoup mes vêtements, en fait on est plusieurs, on se refile les affaires un peu trop petits pour tel ou trop grand pour tel. Et du coup j'ai des vêtements qui vont avoir un an ou deux ans trop grands, donc je les stocke, ou des fois trop petits en attendant de les donner. Tout simplement, voilà, comme je vous dis, les habits été-hiver. Et c'est bien parce que ça prend vraiment beaucoup moins de place et ça permet de mieux s'organiser. Après, voilà aussi, hein, pour tout ce qui est couette, linge de lit, etc. 6,95€. C'est vrai que je parle, mais est-ce que je vous donne les détails? Alors voilà, donc le sac, là, fait 1,05 m sur 1 mètre. Et à l'intérieur... Le sac fait 60 par 45. 6,95€. Franchement, je vous recommande. Hein. Donc, vous pouvez tester, hein. Vous en prenez un et puis vous regardez ce que ça donne. Et vous allez voir, vous allez gagner de la place. Et surtout, esthétiquement, c'est mieux, comme je vous dis, que ça. Alors ça, c'est bien quand c'est pour mettre directement dans une valise ou si vous avez des coffres, etc. Et ça vaut 2,69€, il y en a deux. Pensez-y aussi quand vous partez en vacances. Là, il va y avoir les vacances d'hiver. Alors c'est vrai que c'est pas très top parce qu'on va mettre ça directement dans le coffre. Vous pouvez le mettre après dans un sac de sport si vous avez envie. Pareil, on gagne beaucoup de place, surtout qu'en hiver, avec tout ce qui est combinaison de ski et tout ça, des fois c'est très volumineux. Et grâce à ces sacs, ben, vous allez gagner de la place. Par contre, pour ça et ça, on a besoin d'aspirer l'air. Donc on a besoin soit d'un aspirateur, soit on peut faire ça aussi avec les petits compresseurs. Il y a des compresseurs qui vident l'air. Je vous dis ça parce que si vous n'avez pas d'aspirateur, éventuellement vous avez ceux-là. Mais alors ceux-là, j'ai testé, alors peut-être que je n'ai pas la technique, je trouve qu'on gagne moins de place. En fait, on va chasser l'air en roulant le sac. Là, il y a 5 pièces pour 3,99€. Bon, les tasses là, en ce moment, on les voit un petit peu partout. 1,99€, inutile de vous dire que les dorés ont plus de succès que les argentés. 1,99€, et je vous avais montré la dernière fois une petite composition avec des petits plateaux qui sont au rayon Noël. Donc je passe par le rayon Noël et si je les vois, je vous les remontre. Bon, je suis tombée dessus, je vous parlais de ces petits plateaux ovales, ils existent en doré et en argenté. 1,99€. Allez, ça donne ça. Alors là, on va mettre une petite cuillère basique, hein, mais pour la dorée, pensez à acheter des petites cuillères dorées. Allez, il faut que je vous reparle de ces coussins noyaux cerise rouge à 2,89€. C'est tout simplement une bouillotte. Et j'en ai repris là parce qu'ils en ont remis en rayon. Alors elles existent en rouge ou en beige. Parfois on peut les trouver en beige. Le système il est tout simple. On les vaporise d'un peu d'eau et on les met une minute maximum à 700 watts. Alors moi je les mets à 1 minute 30. Alors, je sais pas s'il faut faire comme moi ou pas, mais moi je préfère quand elles sont un peu chaudes. Et c'est vrai que là avec le froid c'est pas mal. Donc mes enfants en ont une aussi. Donc ça donne un peu plus chaud dans le lit, donc aussi pour les maux de ventre. Ou tout simplement là avec le froid, ça fait du bien, un peu de chaleur dans le lit. 2,89€. Et après au niveau des bouillottes, on a d'autres systèmes. On a les anciens systèmes. Et d'ailleurs
Je vous en ai parlé et j'ai été très très contente de tous les commentaires que vous m'avez mis, parce que je vous disais que moi, les bouillottes, c'était comme dans le temps, c'était pour réchauffer les lits. Et en fait, vous êtes beaucoup à m'avoir parlé d'une brique qu'on réchauffait au four, dans le temps, pour donner, enfin dans le temps, ou même, non, il n'y a pas très longtemps aussi, ces derniers temps aussi, ces dernières années, et qu'on pouvait réchauffer au four, et puis après, ça réchauffait le lit. Et donc, vous avez été nombreux, nombreuses à me raconter des souvenirs d'enfance, et je vous en remercie. Après, on a ces bouillottes-là. Alors, moi, je suis moins fan. Ça, c'est les vraies bouillottes, entre guillemets, celles où on va mettre de l'eau chaude dedans. Mais je ne sais pas pourquoi, je pense que ce qui me gêne, c'est la manipulation d'eau bouillante. Voilà, tout simplement. On met 2 litres, maximum 40 degrés. Donc, pareil, ça va avoir le même effet que ça. Alors, du coup, c'est vrai que si vous n'avez pas de micro-ondes, il vaut mieux acheter une comme ça. Et elles sont à 4,95 celles-ci, et après on a celle-ci à 3,95. Pareil, hein, c'est le même système en fait. À l'intérieur, il y a une petite bouillotte comme ça où il faut mettre de l'eau, mais c'est vrai qu'elle est plus sympa. Alors, les bouillottes pour les enfants, pareil, je vous recommande pour les tout petits, hein, vraiment les tout petits, ça soulage quand ils ont des coliques, et puis ça donne, rassurant, ça rassure l'enfant d'avoir un peu de chaleur, mais surtout pensez-y pour les coliques. Donc 3,95. Alors des bouillottes enfants, on en trouve aussi dans d'autres enseignes, mais là je trouve que 3,95 c'est intéressant. Et la dernière bouillotte, c'est celle-ci, à 4,69. Et celle-ci, elle est toute en longueur comme ça. Alors j'en ai acheté une aussi pour soulager mes cervicales, mais j'ai pas. Je vous en parle, mais c'est pas quelque chose que j'ai retenu. En plus, il faut mettre de l'eau chaude, donc je l'ai pris quand même par rapport au truc. Donc déjà ça, voilà. Mais ouais, j'ai pas trouvé de bénéfice. En fait, quand je l'ai mis autour de mon cou, comme il y avait de l'eau, c'est difficile à comment vous expliquer, à plier. Et donc voilà, je l'ai utilisé une fois, et puis là j'attends que quelqu'un me demande une bouillotte pour lui offrir. Ah oui, je les avais pas vus. Il y a ça aussi pour les enfants. Ça c'est plus petit, donc pour les plus petits c'est peut-être plus simple pour mettre sur le petit ventre. Et donc à l'intérieur, par contre, il y a une petite bouillotte, et celle-ci, la petite bouillotte à l'intérieur, ça a passé au micro-ondes. Donc il y a pingouin, il y a ça, le petit cochon, vous voyez, en plus c'est sympa. Le démaquillant pour les yeux biphase, 1,69€. Alors on va finir par des petits papillons gourmands, 95 centimes, les petites décos papillons. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais plein de gros bisous, et puis je vous dis à plus tard pour d'autres vidéos, et surtout n'hésitez pas si vous avez des commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Encore une fois, je réponds pas forcément, je mets pas forcément de petits cœurs, mais vous verrez au fur et à mesure que j'ai bien lu vos commentaires, puisque j'essaye de répondre à tout le monde. Bisous!